Bon, alors traditionnellement, bien sûr, le plus tôt possible, on voit ça, par exemple, mon mari, Oustad Panahi, il avait commencé, même avant de savoir lire ou écrire, il avait commencé à faire des traits de calligraphie. Alors, mais ça dépend d'un petit peu. Je dois dire que pour les gens qui souhaitent devenir un calligraphe professionnel, le plus tôt possible, bien sûr, quand on est jeune, c'est toujours mieux. C'est un petit peu comme la musique. Le plus tôt, c'est... Mais après, j'ai beaucoup d'élèves qui sont pas très jeunes, mais ils font pas la calligraphie pour devenir un grand maître, mais pour l'amour de la calligraphie. Et ils peuvent très bien arriver à un certain niveau qui soit très bien. Alors, je dirais que toujours, on a la possibilité d'apprendre. Ça, il n'y a aucune limite.